Le but du jeu sur le mois de janvier, c'est pas d'épuiser complètement les organismes, mais de les fatiguer. Après la grosse fatigue et la phase de repos, l'organisme il arrive à un niveau de réserve, on va dire énergétique, qui est supérieur à son niveau de base. On appelle ça la surcompensation. Et le but, c'est que ces réserves soient à ce niveau-là au moment de l'échéance. Alors bien entendu, après il y a le potentiel physique qui vient de la génétique, les capacités à bien tirer, mais moi je suis convaincu que la confiance de l'athlète en ses possibilités va être déterminant dans ses capacités à performer au JO. Donc c'est simple, on enchaîne les courses, le gars qui est en confiance c'est parce qu'il a fait des résultats, donc au moment des Jeux, les résultats il doit les faire, il les fera, à mon avis.